Alors, monsieur, on ne s'attardera pas sur l'incident de l'avant-match France-Albanie, mais quand même, diffuser l'hymne d'Andorre au lieu de l'hymne albanais, ça mérite quand même quelques commentaires. Alors, Et qu'en pense notre invité, comédien-réalisateur Lucien Jean-Baptiste ? Mais une fois de plus, bon, non, ça me fait bien rire parce qu'on voit bien que le foot et la géographie, apparemment, c'est pas compatible. Quoi. C'est... mais Gustave a raison. Au début, il a dit que c'était un incident technique. Il n'y a pas eu qu'au départ. Il faut savoir aussi que le speaker du Stade de France s'est excusé avec cette formule « Toutes nos excuses aux supporters de l'Arménie ». Monsieur Aznavour. On pourrait facilement se moquer, c'est vrai, mais en même temps, il faut être honnête, l'Arménie, l'Albanie... Voilà. C'est vrai que c'est pas l'Allemagne ou l'Italie. Oui, et puis Gustave l'a bien dit au début, tout ça, finalement, c'est une tempête dans un verre d'eau. Mais c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Il a plutôt laissé entendre que c'était la montagne avait accouché d'une souris. Je crois que tu n'as pas été assez clair. C'est que vous n'avez pas été assez clair, sans doute. Mais en revanche, Kuhl et Kunz, eux, ont le sens de la formule sans ambiguïté. En gros, si je comprends leurs propos, ce n'est pas avec ce pays, ce petit pays de merde qu'est l'Albanie que le football va prendre des gants. Ça, j'ai bien compris. Vous avez dit. Vous disiez que ces pecnos de l'Est ne vont pas nous chier une pendule parce qu'on ne connaît pas leur chanson. Oui, enfin, c'était pas du tout ça. Pas ce que j'ai dit. Bon, écoutez, moi, je suis que comédien réalisateur, donc c'est vrai que je n'ai pas votre talent de grands éditorialistes. Vous parlez plutôt de Neymar. Oui, oui, alors, voilà, oui, oui, alors,